Eh bien, je pense que le moment est venu, si je regarde bien l'heure, d'une pause dramatique. Ah. Une dramatique écrite par Marc Moulin, comme d'habitude, c'est toujours la saga de la famille infernale et des Tilquins. Épisode suivant. Cinquième épisode, l'anniversaire de papa. Les enfants, dans 2 minutes, papa va rentrer. J'espère que tout est prêt pour son anniversaire. Mais oui, maman, c'est pas très difficile. On lui donne les cadeaux, on mange, on boit, et puis on va dormir. Olivier, ne sois pas arrogant comme ça. Il faut toujours que tu abîmes tout. Valérie, tu as le mousseux? Mais oui, maman, j'ai le mousseux. Vous êtes sûre qu'on a bien effacé les prix? Parce que, avec les emballages anniversaires, on ne sait jamais. En tout cas, on passe à table, on ne dit rien, et puis avec les gambas à l'ail, on met le mousseux et hop, les gambas. Mais oui, on sait ça. Il faut que papa ne se doute de rien. C'est moi. Ça va, maman? Ça va, les enfants? Papa. À table! Les enfants, qu'est-ce qu'il y a là, maman? Elle se dope ou quoi? À table. Bon, mais attends, puisqu'on dirait que c'est là que ça se passe, hein? Voilà! Qu'est-ce qu'il y a là? Bienvenue, les célèbres gambas soleil! Les mêmes qu'à Torremolinos! Avec le pastis dans la sauce crème au poivre rose! Mais Lucienne, tu nous as gâté ce mousseux! C'est ton mousseux, bon anniversaire, papa! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, cher papa! Joyeux anniversaire! Papa! Joyeux anniversaire! Oh, j'aurais dû commencer plus bas! Eh bien, ça alors, j'avais complètement oublié cet anniversaire. Ce n'est d'ailleurs pas le seul anniversaire que tu oublies régulièrement. Il faut te laisser ça. Voilà les cadeaux. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un lecteur de compact disc portatif avec les écouteurs. Un quoi? Avec quoi? Un compact laser disc. Il n'y a rien de meilleur au niveau du son. Allez. Et voilà les disques que tu aimes pour écouter en compact. Serge Lama à l'Olympia, Jean-Michel Jarre à Dallas et Chadé. Chadé, qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, cette femme a un joli physique, hein. Mets le casque et écoute. Allez, ok, j'écoute. En tout cas, pendant qu'il écoute, il ne parle pas de son boulot à Plétin's Prévoyance. Quel son magnifique! Merci, Emile, mais nous ne sommes pas sourds. Quel son magnifique! Je me demande si je ne préfère pas qu'il parte de ton boulot à Plétin Prévoyance. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tais-toi, Vicky. Le son est magnifique. Valérie, va chercher un papier, un crayon et écrit sur le papier « Papa, tes gambas soleil vont refroidir ». Si au moins il avait commencé par Jean-Michel Jarre, on n'aurait pas les paroles. Juliette, Françoise ou Simone. Non, Emile, arrête, regarde ce papier. Papa, tes gambas à l'œil vont refroidir. Ah oui, je les mange alors. Nous sommes en train de passer la plus mauvaise soirée de notre vie. Emile, ça suffit, c'est tout. J'enlève mon casque alors. Oui. Et qu'est-ce que vous avez? Moi, je rentre gentiment à la maison après une journée de travail fatigante. Je m'assieds à table, j'ai devant moi 3 malades hystériques. Il faut vous calmer. Tiens, faites comme moi, écoutez de la musique, il paraît que ça adoucit les mœurs. Émile, tu ne comprends pas. Quand tu as les écouteurs sur la tête, tu ne t'entends pas. Et tu cries en parlant et en chantant. Ah bon, c'est vrai ça? Mais oui. En tout cas, le son est magnifique. Essaye, maman, mets les écouteurs. Si. Écoute le son. Attention, la bouteille de mousseux. Vraiment magnifique! Lucienne, nous ne sommes pas sourds! Bon, Valérie, moi, je n'en peux plus, je vais me coucher. Oui, moi aussi, mais avant, je prends mes whisky. Tais-toi, s'il te plaît!
whisky.